matin. Ah, ouais. Elle est directrice. Je sers Coé. Ah oui, je sers Coé. Ça va le mettre sur la table. Bon, bravo. Oh, attendez. Ah oui, il est bien, c'est là, celui-là. Qu'est-ce que je peux vous offrir? On n'entend rien. Oui, non. Écoutez-moi, monsieur. Je suis désolée, je ne suis pas chez moi. J'attends le patron de l'établissement. Ce que je vous propose, c'est que demain vous passiez. Je lui dirai que vous avez été. Oui, mais c'est aujourd'hui que je vous offre. Non, mais c'est pas. Je vous offrirai une bière, fraîche. Oui. Je vous remercie, monsieur. C'est aujourd'hui qu'il se passe. Je vous remercie beaucoup. Oui, parce que là, je dois l'attendre. Ah. Oui, voilà. Je vous remercie encore beaucoup. Oui. Au revoir, monsieur. Vous lui direz au revoir pour venir. Hein. Oui, monsieur. Mais oui, monsieur. Au revoir, merci encore. Au revoir, monsieur. C'est le monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, bonjour. De la belge, et puis je promets que oui, parce qu'il a vraiment de la brune aussi, ouais. La brune, et puis tu mets de la rousse, parce que la rousse plaît plus que la blonde, ouais. Je sais pas pourquoi, mais tu peux m'en avoir combien de vues? Ouais, 4, ouais. Ouais, tu fais vite, hein, parce que je fais un super chiffre avec la bière. Moi, c'est la bière, moi, c'est toute ma vie, hein. Je te laisse parce que j'ai une bière sur les bras. Oh, qu'est-ce que tu dis? Si je brûle. Maintenant, c'est un mec. C'est une connerie, là. Vous êtes monsieur Radichaud? Oui, c'est moi. C'est quoi? Vous avez une idée? Oui, parfaitement. Ça, c'est l'urgence que vous m'avez demandé de me mettre où je pense. Moi, je comprends pas ce que vous dites. Je suis Suzy Bouillol, directrice du cabinet du sous-préfet. Oui, bah appelez-le. Impossible, c'est samedi. Ou c'est samedi ou pas, je veux dire qu'il va déjà aller son cahier de supermarché à 4 vitesses et puis régler cette affaire. Bah, si vous répondiez au téléphone, ce serait quand même plus facile. Plus facile, tu me parles? Ah, si, ce matin, j'aurais pu vous le passer. Il aurait arrangé tout ça. Bon, moi, j'étais très occupé. Dites. Montrez-moi donc votre confessionnal. Mais quel confessionnal? Celui où quelqu'un était coincé, vous l'avez dit au téléphone. Écoutez, moi je préfère qu'on parle sérieusement, c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est un cadavre dans une bière. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il attend sa famille. Mais vous rendez compte, il est au milieu de mon restaurant. Oh, et alors, il tient moins de place que votre confessionnal. Oh, puis vous m'emmerdez votre confessionnal. Bon, c'est pas grave, signez là. Signez quoi? Eh bien, la prise en charge du cadavre. Non, mais ça va pas, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Moi, je signe rien du tout. Oh, ben c'est pas grave, votre femme a déjà signé son livraison. Oh! Oui, elle a signé, regarde. Voilà. Elle a pas regardé ce qu'elle signait? Elle était pressée. Oh non, mais moi je signe rien du tout. Alors là, non, vous allez remarquer votre cadavre à 4 minutes et puis c'est tout. Ouh, ben ça c'est pas possible. Parce mais si, c'est possible. Vous prenez une brouette, un diable, vous le cherchez dessus et puis hop, retour à l'envoyeur. Non, impossible. Maintenant qu'il est là, il ne peut plus être transporté, c'est la loi. Non, mais c'est la loi de livrer un cercueil au milieu d'un restaurant, le laisser là, c'est la loi. Écoutez, seule la famille a le droit de le déplacer. Oh non, mais moi j'ai des choses trop importantes. Sa famille, elle a une fille, voilà. Elle est en mission météorologique en Antarctique. Voilà. Ah ben on est pas sorti de l'auberge. Ah, lui visiblement non plus, hein. Comme c'est un drôle. On va remarquer, c'est pas grave parce que votre auberge s'appelle à la bière fraîche et pour la conservation du cadavre. Très important. C'est un goût, ça aussi. Hein. Oh, c'est un goût de houblon. Oh, je vous en prie, il y a un défunt quand même. Oh, pardon, Seigneur Dieu. Pardon. Mais dites, moi, je ne m'attendais pas à cette situation. Hein. Ah, ben moi non plus, j'aimerais bien comprendre. Hein. Mais c'est la canicule, vous ne saviez pas? Ah, oh, ben si, je sais que c'est la canicule, mais je vois pas ce que ça a à voir avec moi. Votre chambre froide. Quoi, ma chambre froide? Vous ne lisez pas les journaux? Ben si, je lis les journaux. Enfin, seulement lundi pour la page des sports, mais qu'est-ce que j'aurais dû voir sur les journaux? Eh bien, la réquisition des chambres froides. Mais moi, je comprends rien. Écoutez, je veux bien qu'on fasse des stocks d'eau minérale et de sucre dans mes réserves, là, oui. Mais alors, réquisitionner ma chambre froide, quel intérêt? Si, pour supplémenter.
Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais il y a que ça à faire, je vous quoi? Supplément? Ah non, non, mais j'ai compris. Alors, pas question, alors, comptez pas sur moi. Supplément. Mais monsieur a du choix. Vous n'avez pas le choix. Mais si, on a le choix, écoutez, on a toujours le choix. Non, monsieur. Si, écoutez, faire un truc. Vous le ramenez, vous le remportez, puis vous me le ramenez lundi. Bien sûr. Maintenant qu'il est là, ce diable d'avance, c'est le vôtre, monsieur Raduchon. Oh non, mais moi j'ai des choses trop importantes. Mes fiançailles ce soir, avant qu'il y ait le baptême demain. Oh, attendez, j'ai une idée. Amenez-le à la poitrine de Port-Joyeuse, là-bas. Lui aussi, il en a une chambre froide. Ah bah oui, je la connais bien. Elle est déjà réquisitionnée. Oh non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas possible. J'imagine que je vais prendre le débiteur en morceaux avant de coucher. Monsieur Raduchon, il vous a été livré en entier. Mais vous êtes sûr qu'on peut rien faire? Ce matin, il y aurait une solution, mais maintenant c'est beaucoup trop tard. Oh là là, mais pourquoi est-ce que je vous ai envoyé bouler, moi, ce matin? Mais quel con, alors! Ah, bah alors ça, je ne vous ai pas dit, hein. Qu'est-ce que vous voulez me proposer aujourd'hui? En fait, rien de très précis, mais simplement. J'aurais pu demander au sous-préfet de décaler d'une ou deux lignes sur sa liste. Ah, mais parce qu'il y a une liste, madame Bouillotte! Mademoiselle Bouillotte! Ah, vous soyez mademoiselle ou madame Bouillotte, son Bouillotte, Couillotte, je ne sais plus, ça ne change rien au fait que vous puissiez décaler! Oui, mais moi, il me faut la signature du sous-préfet pour décaler. Eh ben, appelez-le, qu'est-ce que vous lui dites? Quoi? Donnez-moi son numéro. Je veux bien, il ne vous répondra pas. Hein. On va en avoir le cœur net. Donnez-moi, je vais faire le numéro. 543, voilà. Allez, on va en avoir le cœur. Hein? Moi, je vous parie. Mon client, mais par moi, je vais mon top, là, monsieur. Non, mon top, rien du tout, hein. C'est ça, non, là. Allô? Cabinet du sous-préfet Coustillac, quelque chose pour vous? Bah non, mais. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Oh. Je peux vous poser une petite question, monsieur Raduchon? On va au point où on en est, hein? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas topé, espèce de crétin? Putain, en même temps, j'ai pas topé, putain, heureusement, parce que j'aurais été ruiné, là. Oh merde, oh la guigne! Je vous présente le sous-préfet Proust. Ah, ça me surprend, hein. Oh, nom de Dieu. Bonjour, monsieur dame. Oulon. Qui est cette personne? Oh, merde. Bon, j'avoue qu'il est un peu tôt pour dîner, mais à la guerre, comme à la guerre, comme le disait madame. Oui, c'est pas le moment. Oh, à peine 5 minutes d'avance. Oui, bon, aujourd'hui, on dîne pas. Ah, si. Et puis, n'avancez pas d'un pas supplémentaire. Pourquoi? Parce que vous auriez une surprise. C'est violente, la surprise. À des menaces? Non, un conseil. Ah, mais alors, je vous préviens, je déteste sauter un repas. Mais on s'en fout. Ah, mais pour votre dîner, on attend. Oh, bah alors. Eh ben, justement, il est 14h57. Et regardez bien votre montre, parce qu'à 14h58, si vous n'avez pas quitté mon restaurant, vous allez recevoir mon pied aux fesses. Ah, mais alors là, c'est inadmissible. Elle est beaucoup plus gentille que vous, madame. Oh, comme c'est gentil. Moi, je veux pas de vous que je parle. Oh, bah merci, tiens. Ouais, je vais l'appeler et on verra ce qu'on verra. Oui, alors, et puis allez dehors, il y a plus de réseau. Vous allez voir, ça passe vraiment mieux. Oh, bah vous avez pas fini d'entendre parler de moi. Oh, mais quelle histoire. Vous m'avez collé dans une situation, vous, hein. Oh, bah dis donc, c'est pas moi qui suis dans le cercueil, hein. Adressez-vous directement à lui. Et puis je vous préviens, mademoiselle Bouillotte, que... Mademoiselle Bouillotte, que si j'avais... Que quoi? Oh, que si j'avais topé, j'aurais contesté devant les tribunaux, hein. Parce que c'est un délit d'initié ce que vous avez tenté avec moi, mademoiselle Bouillotte. Bouillotte? Oui. J'ai tenté le coup, c'est humain. Tout simplement. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? Ah non, dites pas ça. Plutôt, qu'est-ce que je vais faire de lui, hein? Ah oui, ah, bonne idée. Alors, oui, alors là, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Non, monsieur Raduchon, on n'inverse pas les rôles. Moi, ça a été le mien 7 ans, 35 heures par semaine. Et maintenant, c'est week-end depuis 10 minutes. Et puis dites donc, vous avez de la chance, parce que si j'avais eu une pointeuse à portée de main, vous ne sauriez même pas qui c'est ce cadavre. Si, j'aurais fouillé dans ses poches. Comment ça? T'es troussé un cadavre? Oh, mais quelle honte, mais quelle honte. Bonjour, monsieur dame. Oh là là. Qui est venu, là? Bon, aucune idée, et puis si on a emmerdé depuis 10 minutes, on n'est pas sorti de... Vous êtes qui? Votre
votre fiancée m'a invité à vos fiançailles. Attendez, mais... Amandine? Ah, elle s'appelle Amandine. Attendez, je comprends pas, là. Votre fiancée invite des gens qui savent pas son nom à ses fiançailles? Non, mais là, je dors et je vais me réveiller, c'est pas possible. Il y a quelque chose, où je rêve, c'est pas possible. Moi, bah, je peux vous gifler si vous voulez. Voilà, mais les cons, ce qui est vieux, prenez oui. Pour la tuile. Présent. Il manquait plus ça. Ah non, ça tu as déjà dit. La tuile. Ah oh, mais qu'est-ce que c'est que ce dialogue de merde? Jeannot la tuile, c'est mon nom. Ah, d'accord. Jeannot la tuile. Le suppositoire du confessionnal. C'est lui. Mais comment vous savez ça? Mais c'est lui, quoi, c'est du confessionnal. Mais alors tout le monde le sait. Ah, c'est quoi ça? Ben ça, c'est le cadavre du sous-préfet. Oh le salaud. Oh le salaud. Je vais le tuer. Qu'est-ce qu'il me prend là? Mais laissez-le tranquille, voyons. T'es une invité ma femme, ça devrait être un. Vous êtes sûr qu'il est bien mort? Ah, bah, il y a Luc qui voudrait confirmer, mais je ne sais pas pourquoi il s'obstine à ne pas parler. Mais donc, comment il est mort d'ailleurs? Ah, bah oui, on y arrive. Alors, ouais, ce matin, je rentre dans le bureau. Il était ligoté, comment ça se passe? Alors, c'est qu'il avait les fesses complètes et à l'air. C'était drôle, ça. Alors moi, je me suis dit tout naturellement que Birgit, vous savez, une de ses maîtresses, était passée lui faire une rupture un petit coucou avec les monotes, les foies et tout le temps, voilà. Bon, alors moi, je l'ai détachée, et là, j'ai reçu un coup de téléphone de la police. Ah, ben, le confessionnal avait parlé. Ah, parce que son préfet les a pris au téléphone, et là, je l'ai entendu dire que tout était normal, qu'il n'avait pas pris de suppositoire depuis des années. Oh, en plus de jouer les donjons, eh ben, il était menteur, ce con. Enfin bon, moi j'ai rien compris. Mais il s'est remis au travail. Bah ben, bon, je savais pas qu'il restait que quelques minutes à vivre. Il y a quand même une justice, hein. Ensuite, il m'a demandé de vous téléphoner. Dites donc ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais comme vous ne répondiez pas, Monsieur Coustillac a crié, il m'emmerde, ce vendeur de soupe. Et puis il a décidé de signer le document de réquisition de votre chambre froide pour le prochain mort. Non, ne me dites pas que. Eh ben. S'est écroulé sur sa feuille. Le prochain mort, c'était lui. Oh bah lui, il a cassé sa pipe au bon moment, celui-là encore. Mais oh, au lieu de manger des cacahuètes, là, c'est de ta faute, là, si j'ai un cadavre sur les bras, là. Ah, je ne pouvais pas savoir, moi. Savoir quoi? Savoir quoi? Oui, je vais peut-être un tout petit peu assassiner mon Coustillac. Oh, mais c'est bien d'avouer. On voit vraiment que vous êtes un homme franc du collier. Oh, oh, qu'est-ce qu'il vous prend là? Oh, vous me calmez un peu là. Non, mais il a eu raison, monsieur Jeannot. Hein, il fabriquait des cornages, une espèce de hobby, n'est-ce pas? Hein, victime de son bien étrange, le salopio. Oui, mais en plus, hein, il avait des belles filles célibataires à côté de lui. Même pas un regard, rien. Mais, oh, qu'est-ce qui vous prend, hein? Et moi, je suis pas une victime collatérale de vos corps, peut-être, hein? Alors là, monsieur Radechon, ce qui vous concerne, le problème, c'est que c'était un sous-préfet. Ah bah, mais sous-préfet ou pas, il a quand même réquisitionné ma chambre froide pour son repos éternel. Voilà. Moi, je m'explique. S'il avait été préfet, il aurait eu des sous pour l'emplacer. Mais comme il est, c'est un sous-préfet, il n'y a pas de sous-sous, voilà. Ah, le fric, hein, toujours le fric. Mais non, je parle pas de fric, je parle de sous-préfet. Il n'y a pas des sous-préfets d'emplacement. S'il meurt un week-end, c'est pas tant que je l'ai dit. Oh, la belle-mère, elle m'a sauvé. Oh mon chanvre, quel beau de mal. Vous allez oublier, vous allez faire un câlin. Oh, mais bonne chance, qu'est-ce qu'il lui prend? Vous êtes Martine? Oui, c'est moi. C'est moi, Lionel. Oh, bah, je me disais aussi que mon chanvre avait une curieuse façon de m'accueillir. Ah, oui, c'est. Bah, dis donc, je vais vous dire, c'est le chagrin. Parce que son amant vient de mourir. Oh,
Parce qu'il est en deuil, quand même la chance. Non, mais, maman, non, mais ça va pas, non? Ben, pourquoi vous êtes homophobe? Mais pas du tout. Je veux bien passer pour un homosexuel en deuil, mais pas de l'amant de ma femme, quand même. Il y a des limites, hein. Je suis orphelin, il faut pas être à moi, ce cadavre. Il faut bien que je justifie sa présence aux yeux de ma belle-mère. Bon. Vous préférez peut-être que je demande une autopsie et que je pointe du doigt là où le médecin légiste doit aller chercher? Ah! Oh, mon Dieu! Il s'appelle Philippe! Ah, mon Philippe! Qu'est-ce qu'il lui prend là? Il voulait le réassassiner il y a 10 minutes! Ah, mon Philippe! Aux yeux de ma belle-mère, Jeannot, il a vendu son préfet. Moi? J'avais raison, frère. Écoutez-moi attentivement. Martine? Oui? Mais ouais. Je présente Jeannot Latuile et sa belle-sœur Suzy. Jeannot, c'est mon vieux copain d'internat, alors Paulina. Et ben finalement, il est la seule famille. Il est la seule famille par un dîner pour lui. Oh, mon garçon, oh. Il a perdu son camarade de jeu, même la haute chose, son petit frère. Oh, mais c'est que la famille, c'est sacré. Ah oui. Oh. Écoutez, Lionel, je crois qu'il faut oublier les fiançailles. Oui, on oublie les fiançailles. Écoutez, chez nous, il faut organiser des tours de veille. On ne laisse jamais un défunt partir seul. On l'accompagne jusqu'au bout. Oulala, alors là, je vous préviens, hein. Moi, il est hors de question que je reste, hein. Parce que j'ai été bien gentille de livrer, alors que mon boss n'était pas là pour vérifier ma conscienciabilité. Oh, on est sur la même galère, hein. Et puis, si vous n'aviez pas effacé des indices d'une scène de crime, là, votre alter ego, il serait déjà en prison. Oh, c'est du chantage. Non, c'est une petite participation bénévole, vous voyez. Dites-moi, Lionel, est-ce que vous avez des cierges? Des cierges, peut-être pas des cierges, mais j'ai des petites bougies pour les repas en amoureux, ça je dois avoir. Ça fera l'affaire. Alors, elles sont vos petites bougies. Ah, et voilà. Tenez. Bon, maintenant, elle voit Amandine, elle a dit qu'elle allait rechercher la gare. Eh ben, écoutez, elle m'a déposé, et puis elle est partie au magasin pour acheter des serpentins et des cotillons. Espérons qu'elle ne les balance pas à l'auberge en arrivant. Hein. Vos amis trouveraient ça malvenu. Ah! Il a bougé. Ce sont les nerfs. Mon garçon, venez. Ce sont les nerfs. On s'imagine toujours que le mort est vivant. Les siens? Non, les vôtres. Mais. Vous pouvez voir, c'est son téléphone qui vibre. Ah, moi, c'est sûrement un texto. Hein. Oh, il pourrait l'éteindre quand même. Mon cocu de Jeannot est parti au bout. Mon chéri, viens faire des galipettes. J'ai acheté des jouets qui vont beaucoup te plaire. Signé Elisabeth. Oh, mais parce qu'il faut tromper. Oh, mais plein autre chose. Oh là 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 là. C'est le destin qui m'a amené jusqu'ici. Je vais peut-être veiller à vous faire faire, mais je le fais pour vous, monsieur Jeannot. Oh, la salope. Ma femme est une salope. Bon, écoutez, je vous propose un peu d'aller en cuisine parce qu'on ne tiendra pas longtemps si on n'adopte pas une stratégie. Ah, bah oui, moi je suis bien d'accord. Hein. Moi aussi. Ah, ben, on va pas mal de points de main tous les deux. Ouais, ben, je vois, ouais. Oui. Ouais. Plus que ça. Oui. Martine, vous voulez bien assurer le premier tour de veille. Suzy ne se sent pas bien. Oh, comme je ne me sens pas bien. Pas de problème. Ah bah, on va vous emmener dans la chambre. Hein, Suzy, je ne se sens vraiment pas bien. Je ne sens pas bien. Ah oui. Bon, et bien on va arranger ça pour que ce soit un peu plus présentable. Et surtout, plus respectable. Soir, enfin, Amandine, un peu de décence. Oh, mais c'est pas tous les soirs qu'on
on se fiance. Eh bien, justement, tu ne te fiances plus. Et pour quelle raison? À cause de Monsieur Jeannot. Oui, oui, je crois que c'est ça. Quand je pense que ce matin, je le traitais encore d'abruti. Ben, c'est le genre de choses qui créent des liens. Oh, j'aurais tellement aimé qu'il soit ton con. Ah, parce que c'était lui. Ah oui. Et puis maintenant, j'en ai presque des scrupules. Tu avoueras que j'ai pas de chance, hein. Le bonhomme était prêt pour me faire poiler, et voilà qu'il cherche ses plans au dernier moment. Je t'en trouverai un autre, maman. Ben, tu sais que c'est ce matin dans le train, j'y ai pensé. J'avais presque hâte. Tu m'avais tellement mis l'eau à la bouche. Dis, tu sais de quoi il est mort? Oh, ben, tout ce que je sais, c'est que son fiancé est effondré. Son fiancé? Ben, il était marié. Marié? Oui. Ben, voilà autre chose. Mais où va-t-on avec ses mœurs aujourd'hui? Sacrément cocu. Il avait gagné quoi? Un bon jeu, en tout cas. Hein. J'ai la journée un peu gâchée, là. Hein. Écoute, il faut parfois un petit détail pour te contrarier. Un cocu, un mort et un cocu mort. Les fiançailles annulées parce qu'il y a un cadavre au plein milieu de l'auberge de Lionel. C'est vrai que le Maccabé a bien choisi son jour. Hein. Dis, comment tu l'as trouvé? Un peu malot. Tu trouves? Et puis dis, c'est un vieux. Autant que ça, quand même. À mon avis, si on ne s'occupe pas de lui, assez vite, ben, il va finir par sentir mauvais. C'est parce qu'il est pas au mieux de sa forme aujourd'hui, mais je t'ai connu plus optimiste, maman. Oh, ben j'essaye, Amandine, j'essaye. Mais au vu de sa situation... Non, mais c'est parce qu'il croule sous les soucis en ce moment. Oh, mais je crois qu'après-midi, il va avoir une bonne nouvelle. Oh, ben j'espère qu'il appréciera, hein. Mais écoute, un petit... Tu comptes l'avoir sur le dos combien de temps? Toute la nuit, maman. Oh. Écoute, Amandine, un petit détail qui paraît parfois insignifiant. Toute ta vie ou toute la sienne? Ah, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eh bien, c'est fait. Non, maman, on ne rigole pas avec ça. Lionel est jeune et robuste. Il ne fume pas, ne boit pas. Bon, il attaque un peu le saucisson de temps en temps, mais... Oh, mais parce que tu parlais de Lionel. Lionel, oui. Ah, mais toi, tu parles de la pauvre petite, on pense à Jeannot, mais la petite avait l'air si bouleversée. Mais quelle petite? Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous arrivez pour l'extrême onction, ben c'est un peu tard. Oh, on va faire autre chose. Allez, l'ecclésiastique du confessionnal. On peut faire autre chose.